Rebonsoir à ceux qui étaient là et bonsoir aux nouveaux venus. J'ai un message de la part de Claude Lelouch. Nous avons commandé, tous les libraires de Pau ont commandé tous les exemplaires disponibles en France du dictionnaire de la vie de Claude Lelouch, écrit par lui-même avec quelqu'un. Savez-vous combien nous avons recueilli de livres ? 13. Son chiffre magique, celui qui a guidé toute sa vie. C'est le nom de ses studios, c'est... Voilà, il y a tout. Quand il a fêté son anniversaire des 85 ans, 8 et 5, 13, il a dit, c'est le moment de faire la fête. Bon. Donc 13 livres. Il a signé ces 13 livres au lecteur qui achèterait son livre, et ces 13 livres sont à disposition des libraires de Pau. Voilà, je voulais vous le dire, ceux qui voudront acquérir ce livre, les libraires pourront leur fournir 13 exemplaires dédicacés de Claude Lelouch, sans les noms, puisqu'évidemment, il s'en est remis aux libraires pour qu'ils fussent donnés. Voilà, dernier message de Claude Lelouch en attendant le suivant. Alors, nous allons accueillir maintenant une des journalistes les mieux renseignées, la plus affûtée et les plus informées et influentes de la presse française. Après un passage au Parisien, elle entre au Monde, au service politique, et là on observe, moi-même j'étais journaliste politique à l'époque, à RMC où j'avais l'éditorial du matin et l'invité politique tous les matins, donc je suivais particulièrement tous les journalistes qui suivaient la vie politique du pays à ce moment-là. Et il y a deux choses qui transparaissaient, c'est sa justesse d'observation et sa capacité d'analyse. Mais elle avait un avantage supplémentaire. Elle avait, parmi les journalistes politiques de la presse écrite de l'époque, le meilleur style possible. Et ce n'est pas moi qui le pense. C'était reconnu par tous les journalistes de la presse écrite en disant « Raphaël Baquet, du style ». Et ce qui devait arriver, arriva. Elle s'est dit que la vie politique avait ses beautés, mais qu'elle pouvait élargir le champ de ses recherches. Et donc, elle a écrit une série de livres sur quelques grandes personnes, quelques grands puissants de ce monde. Elle a écrit un livre sur Karl Lagerfeld. Elle a écrit un livre sur Grossouvre, qui s'est suicidé à l'Élysée, Dominique Strauss-Kahn, un livre qui a été bien vendu. Et je signale à ceux qui s'intéressent à la société, la manière dont le monde marche, de lire un livre qu'elle a écrit à l'époque qui s'appelle Ritchie, peut-être certains d'entre vous l'ont lu, sur le directeur de Sciences Po, Richard Descoings, qui s'est suicidé, enfin on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Sciences Po, c'est un peu opaque comme milieu. Donc, ce livre Ritchie est une... Voilà, c'est le livre qu'il fallait écrire à cette époque-là. Et lorsqu'on sait que ça a été suivi par toutes les affaires que nous connaissons récentes, il y avait là, de sa part, une intuition et une profondeur d'analyse, ce qui fait qu'on gagne à le relire aujourd'hui. Alors, avec elle, on va parler aujourd'hui de son dernier ouvrage, Succession, qu'elle a écrit avec Vanessa Schneider, qui est également grand reporter au journal Le Monde. Et c'est la première fois, à ma connaissance, qu'on entre dans l'intimité des grands capitaines d'industrie ou du commerce, ou de, voilà, les gens qui ne sont pas riches, qui ne sont pas très riches, qui sont très, très, très riches. Et on n'imagine pas le malheur qui les frappe, évidemment. Je dis ça en riant un peu, mais choisir le successeur. Souvent, ils ont 2, 3, 4, 5, 7 enfants. On ne peut pas avoir 7 directeurs. Il faut une personne parmi ceux-là qui est choisie comme héritier, qui soit la prolongation, évidemment. Comme chaque créateur d'entreprise, il n'y a pas de vrai successeur. Donc, il faut choisir parmi... Et donc, la bagarre commence bien avant la succession. C'est l'intérêt du livre de Raphaël Baquet. Ce n'est pas la succession qui est un problème. Pendant 20-25 ans,
toute la progression des enfants, des filles, des garçons. La succession commence à la naissance. Qui va être le successeur de ses patrons? Et la guerre absolument là est impitoyable. Quand on entend maintenant que la violence s'accroît dans la société française, il ne faut pas avoir attendu 2020 pour que dans les grandes familles, la violence existe depuis beaucoup plus longtemps. On l'accueille. On a dit que tu savais tout faire, donc les gestes de danse ne sont pas exclus. Bonsoir. Bon. Bonsoir, Raphaël. Vous allez bien ? Très bien. Vous venez d'arriver à Pau, hein, il y a... Je suis arrivée il y a une heure. J'ai juste eu le temps d'entendre les dernières minutes de l'intervention de Claude Lelouch, qui était formidable. Donc, voilà. C'est ouais. Difficile de passer après lui. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est une toute autre affaire. Et Lelouch... La vie est dure, mais au fond, elle est gentille. Au moins dans le regard de ceux qui la vivent. Là, chez vous, c'est pas pareil. C'est plus violent. C'est d'une violence. C'est ce que je disais. On dit que la violence dans le monde moderne augmente, mais chez eux, ça fait longtemps que ça dure. Alors, vous avez commencé, je me souviens très bien, à changer de ligne, j'allais dire, ou de... d'occupation principale lorsque, en 2007, vous étiez journaliste politique reconnu, etc., mais en 2007, vous avez publié 15 jours après la fin de la campagne présidentielle un livre dont peut-être se souviennent certains ou certaines, qui était la vraie histoire de la défaite de François Hollande, avec cette terrible histoire qui a miné... De Ségolène Royal. De Ségolène Royal, pardon. Et qui a été une histoire terrible, où vous révéliez... Alors, à l'époque, vous n'avez rien dit dans le monde. Hein. C'est sorti comme une bombe. Et là, je me suis dit, voilà, Raphaël Baquet va aller plus loin. Mais c'était... Voilà, c'est la première fois que vous êtes sorti de votre statut d'observateur comme ça, et que vous avez, pendant la campagne, être rentré dans cette affaire, et vous avez montré là des talents d'enquêtrice qu'on va voir maintenant. Pourquoi vous aviez pris cette décision à l'époque qui avait fait beaucoup de bruit, hein? Vous avez été très critiqué à l'époque, je me souviens, ça avait créé un mouvement. On se disait, mais pourquoi ils n'ont rien dit pendant la campagne, etc. Au départ, tout simplement parce que, d'abord, c'était la première femme qui était en mesure d'arriver au second tour, donc ça m'intéressait de la suivre, parce que c'était aussi un cas tout à fait unique d'une candidate dont le compagnon conjoint était à la tête du parti, qui était censé la soutenir. Et puis, je n'imaginais pas d'ailleurs que la campagne se déliterait de cette façon-là. Donc, je partais par curiosité. Et puis, ça s'est révélé effectivement très intéressant parce que les électeurs de Ségolène Royal ou ceux qui avaient voté contre elle, ça n'a pas d'importance, mais n'avaient pas compris pourquoi ça n'avait pas marché. Et voilà. Et donc, voilà, ce qui était intéressant, c'était de le raconter. C'était un livre avec Ariane Chemin à l'époque. C'était si avec Ariane Chemin, oui. Alors... Pourquoi vous avez décidé, alors vous avez fait une série d'articles dans Le Monde avec Vanessa Schneider, qui a eu un succès formidable, les ventes du Monde se sont mieux vendues les jours où cette enquête paraissait, de très loin, et donc vous avez décidé d'en faire un livre. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le milieu des puissants économiques, on va dire, bah d'abord, au départ ? J'ai fait le constat depuis déjà quelques années que le pouvoir s'est déplacé. Il est plus tel, je dis ça sans vexer François Bayrou, mais il s'est déplacé quand même de la politique vers l'économie, c'est vrai. Et que ces grands capitaines d'industrie, aujourd'hui, ont un pouvoir pas seulement sur leur entreprise et sur les milliers d'employés qui y travaillent, mais aussi parfois un pouvoir diplomatique. Vous voyez bien que Bernard Arnault ne va pas inaugurer une usine aux États-Unis sans que Donald Trump soit là. Il ne fait pas d'affaires avec la Russie sans que Vladimir Poutine soit d'État. À ses côtés. Ils ont un statut, un rang de chef d'État. Ce sont comme des chefs d'État, effectivement. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était que de voir, quand on a un tel pouvoir, comment justement ce pouvoir se transmet. Car ce sont souvent des capitaines d'industrie qui ont une vision dynastique. Ils veulent absolument, comme sous l'Ancien Régime, transmettre le pouvoir à leurs enfants.
Or, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on éduque un héritier? Est-ce qu'on choisit le bon? Est-ce qu'on est capable de faire abstraction de ses sentiments pour choisir sur des critères plus industriels? Et c'est tout ça qui nous a évidemment passionnés, et on a plongé donc à la fois dans ce capitalisme français, mais aussi dans les secrets de famille, il faut bien le dire. Ah oui, il y a beaucoup de choses que vous dites et qu'on ignore dans ce livre. Je me demande d'ailleurs si parfois même les intéressés savaient tout. Mais bon. Est-ce qu'il y avait un socle commun à tous, ou bien ce sont des gens très différents les uns des autres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les réunit, puisque vous évoquez leurs problèmes, qui sont des problèmes qui se posent à tous? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun, ou bien finalement, ces grandes puissances-là, peu de choses les réunissent? Alors, ils sont assez différents, et on les a choisis aussi pour leur diversité, oui. Mais il y a quand même plusieurs choses qui les réunissent. D'abord, c'est leur ambivalence vis-à-vis justement de la succession. Ils savent qu'il est déterminant de choisir un bon successeur, mais avoir un successeur, c'est admettre qu'on va mourir et qu'on va laisser le pouvoir, en tout cas. Et ça, c'est très frappant, cette ambivalence. Bernard Arnault, par exemple, qui choisit le plus scientifiquement et le plus rationnellement possible son successeur, est aussi celui qui a pris de nouvelles mesures au sein de son groupe pour pouvoir repousser à plus de 80 ans l'échéance de son départ. Chaque 5 ans, il recule de 5 ans. Exactement. Ouais. Donc, c'est, évidemment, ça, c'est assez frappant. La deuxième chose, c'est qu'ils s'observent les uns et les autres. Ouais. Et ça, j'en avais pas tout à fait conscience, à vrai dire. Et les meilleurs lecteurs de notre livre, ce sont eux-mêmes. Les familles. Et je me souviens d'ailleurs très bien de l'un d'entre eux dans la famille Mullier qui avait annoté, que j'ai revu là juste après la sortie de notre livre, et toutes les pages étaient cornées et annotées. En fait, il avait regardé absolument ce qui se passait dans les autres familles. Donc évidemment, ils sont très curieux de ça. La troisième chose, c'est qu'au fond, même si évidemment ils ne vivent pas du tout la vie du commun des mortels, ces successions, ça nous renvoie à nos propres familles. Tout au long de l'enquête, nous n'avons cessé de penser à notre propre éducation, à nos propres conflits familiaux, aux rivalités qu'on rencontre dans les fratries et qui sont aussi les nôtres. Donc c'est ça qui nous a aussi passionnés. Il y a des choses qui vont très loin. Ce n'est pas simplement des rivalités, mais il y a des morts dans cette affaire. Vous citez le cas de Jérôme Sédou. De Jérôme Sédou, qui a épousé une autre femme, la sœur de sa première femme, qui s'est suicidée. Ça va jusqu'à la mort de certains protagonistes de ces affaires. C'est très violent. Effectivement, il y a des morts. Il y a un suicide, et puis il y a d'ailleurs le premier mari de cette femme qui se tue dans un accident de voiture, qui est tout à fait lié à la liaison que Jérôme Sédou a avec son épouse. Donc oui, c'est très cruel, très violent, très douloureux. C'est-à-dire que c'est aussi douloureux pour ceux qui ne sont pas choisis, par exemple, comme héritiers. C'est dur d'être choisi, c'est dur de ne pas l'être. Donc ce qui nous a effectivement frappé, c'est la dureté de ce milieu. Lorsqu'il faut transmettre le pouvoir, tout d'un coup, tout le monde est à nu. Les relations parents-enfants se retrouvent tout d'un coup complètement dépouillées de toute affection. Les fratries se déchiquettent. C'est vraiment effectivement extrêmement violent, bien plus qu'on ne l'imaginait. Et ce qui m'a frappé dans la lecture du livre, c'est que la succession commence au berceau. C'est pas la succession, on attend la mort de quelqu'un pour... Non, tout ça est préparé pendant une décennie, deux décennies, trois décennies parfois. Et la bagarre pour la succession, c'est une affaire qui dure trois décennies. C'est pas du tout une affaire qui se règle à la mort de la personne intéressée. D'abord, le patriarche, effectivement, il pense d'emblée. Ses enfants sont souvent un petit moi, un miroir. Oui. Donc, François Pinault appelle son fils François Pinault. Donc, on ne saurait mieux signifier qu'il va être vraiment dès le berceau. Il est désigné comme le successeur. Donc, oui, c'est vrai que d'emblée, alors surtout ceux qui ont fondé leur propre entreprise, ils pensent effectivement à ceux qui leur succéderont et à ceux qui prolongeront leur œuvre et leur nom. Donc ça, c'est extrêmement important.
Ça n'empêche pas qu'ils puissent faire des erreurs sur le choix de leurs héritiers, mais il y a une forme de conditionnement dès l'enfance. D'ailleurs, c'est difficile d'échapper à la volonté du père. C'est souvent, d'ailleurs, le père. C'est une affaire d'homme, essentiellement. C'est encore une affaire d'homme. Donc, oui. C'est vrai que c'est difficile d'échapper à cette volonté, c'est difficile d'échapper à son désir, c'est difficile d'échapper à la vocation qu'il vous impose, d'une certaine façon. Alors, ça peut faire des catastrophes. On n'a pas vu tellement de rebelles. C'est ça qui m'a frappée. Personne ne refuse cette règle-là. Non. Il y a des filles et des garçons qui prennent un peu la tangente. L'aîné des Bolloré, de Vincent Bolloré, est parti en Australie, donc on ne saurait mettre plus de kilomètres entre son père et lui, mais il ne s'est pas non plus rebellé publiquement. Il s'est simplement écarté de lui-même. Donc c'est difficile d'échapper effectivement à la volonté du patriarche lorsqu'il veut absolument tout vous transmettre, et d'abord ce qui lui tient le plus à cœur, c'est-à-dire cette entreprise avec laquelle il a passé souvent, et très souvent, plus de temps qu'avec ses propres enfants ou avec sa propre femme. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui compte le plus pour les patriarches dont vous parlez, ces grands patrons? Est-ce que c'est de transmettre l'entreprise? C'est-à-dire, pense-t-il à la survie de l'entreprise? Ou est-ce qu'il pense qu'il va choisir son enfant parce qu'il porte son nom, quel que soit après le destin d'entreprise? Parce que, je ne sais pas, mais d'après, quand on vous lit bien, on n'a pas l'impression qu'un seul de ses patrons considère qu'un enfant le vaut. C'est un successeur. Bon, mais vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression que c'est comme ça qu'ils ressentent. Alors, les successions les plus réussies sont celles où, justement, on est capable d'imaginer que votre successeur, et notamment votre fils, puisse faire un peu différemment. Oui, jamais mieux, mais... voilà, en tout cas, un peu différemment. Mais généralement, c'est vrai que ce qui frappe, c'est que ces grands patrons choisissent d'abord l'enfant qui leur paraît être leur semblable. C'est pas forcément le meilleur choix. Par exemple, Francis Bouygues choisit d'abord son aîné, Nicolas Bouygues, qui lui ressemble en effet. Il a fait les mêmes études, il a la même personnalité, à la fois assez dominatrice, un peu tranchante parfois, originale. Et puis justement, c'est avec son semblable que ça va être électrique. Et il ne supporte pas cette succession et il va l'écarter après l'avoir choisi, impitoyablement, pour choisir finalement celui auquel il ne pensait pas parce qu'il paraissait le plus fallot, le plus bonhomme, le plus jovial, hein, Martin, le petit dernier, qui n'a même pas son bac. Or, c'est Martin qui va être le bon héritier. Donc, ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que choisir son semblable, vouloir qu'il soit en tout point le même que vous, n'est pas forcément le bon choix. Et ça, c'est très difficile pour quelqu'un qui a fondé une entreprise, qui est vraiment, encore une fois, l'œuvre de sa vie, d'être capable de penser son héritier comme un être qui va s'émanciper, forcément. Il y a une entreprise qui a été créée par un nom que tout le monde connaît, Gallimard. Bon, Gallimard, il a fondé, c'est la plus grande famille de l'édition en France, internationalement connue, il n'y a pas plus haut dans la hiérarchie que Gallimard, pas au niveau de l'argent, mais au niveau de l'influence et des relations avec tout le monde. Et cette famille-là, d'après ce que vous dites, elle est précisément tenue par ce problème de ce qu'il faut, c'est que Gallimard survive. Les enfants, on verra bien, on se débrouillera, mais le but de la succession à ce moment-là, c'est pas qu'il soit le plus capable ou pas capable, il faut que le nom de Gallimard soit préservé. Il faut que ce soit Gallimard, personne d'autre. Vous voyez ? J'ai trouvé que là, il y avait un choix qui n'était pas toujours le choix de tout le monde. Oui, c'est vrai. Et Simone Gallimard disait même, je ne demande pas à mes enfants d'être heureux, je leur demande de faire prospérer l'entreprise. Donc, c'est vraiment d'emblée affirmer que... Je ne leur demande pas de s'aimer, mais de travailler ensemble. Mais de travailler ensemble. Donc, c'est vraiment... Une mère qui dit ça de ses deux garçons. Oui. Et d'ailleurs, il y a une forme de répétition dans la cruauté chez les Gallimard, puisque... Gaston Gallimard préfère son neveu à son fils. Il trouve son neveu plus brillant.
Son neveu se tue en voiture, c'est ce fameux accident où il était avec Albert Camus, et ils se sont tués tous les deux en voiture. Donc, bien obligé, c'est son fils qui va prendre la suite, et son fils va répéter la même chose. C'est-à-dire qu'entre ces deux garçons, il va en choisir l'un, et puis il va l'écarter impitoyablement en favorisant l'autre. Donc vraiment, lui, là aussi, il répète ce qu'il a subi. La douleur qu'il a subie, elle ne lui a pas servi de leçon. Au contraire, elle lui a servi de processus névrotique qu'il va répéter sur ses propres enfants. Et ça, c'est fréquent dans ces familles-là. C'est-à-dire, on rentre là dans une affaire qui est quand même terrible, où ni la compétence ne compte, ni rien ne compte, sauf la prise de pouvoir pour maintenir le nom d'une famille. C'est quand même... c'est leur particularité. Personne... Oui. Si, peut-être quelques châtelains qui veulent que leur château reste le nom de la famille, ou des choses comme ça, mais c'est assez rare. Oui, mais le château, vous voyez, à transmettre, c'est réglé par la loi. Oui, la richesse, l'argent. Voilà, ouais. La loi, elle règle la transmission du patrimoine, de l'argent. Donc, ce n'est pas ça l'important. Vous ne pouvez pas déshériter un enfant au bénéfice, pour un autre. Donc, ça, la loi, elle règle ça. C'est le pouvoir qui est le plus important, évidemment. Et c'est là que se joue l'affectif. Et on a bien compris très vite que cette affaire n'était pas du tout une affaire d'argent. C'était d'abord une affaire de sentiment. D'abord une affaire d'amour ou de haine, de jalousie, d'envie. Et c'est ça qui est frappant dans toutes ces familles. C'est que c'est d'abord ça qui gouverne. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est plus irrationnel, plus douloureux, plus passionnel. Et plus intéressant. Comment ont-ils pris la sortie de votre livre, par exemple ? Vous avez des retours de gens parmi les familles explorées par vous et Vanessa Schneider ? Il y a des gens qui vous ont exprimé leur opinion ? Bah, Gallimard a supprimé son budget publicité. Donc, voilà. Ah, oui. Vincent Bolloré n'était pas content, mais il ne l'est jamais. Voilà, après, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est quelles sont leurs capacités à empêcher la publication d'un livre ou d'une enquête. Ils ne l'avaient pas. Donc, après, qu'ils soient mécontents, ce n'est pas très grave. Enfin, je veux dire, c'est pas... Je pense qu'en même temps, ils ont été intéressés aussi de voir, parce qu'ils savent bien que ce sujet-là est un sujet dont ils parlent toute la journée eux-mêmes. Est-ce que la majorité... En général, essaie dans un premier temps de mettre tous les enfants dans l'entreprise. C'est... Non. Non ? Non, pas tous. Les quatre enfants Arnaud... Alors, d'abord, souvent, et là c'est une question de génération, ça va changer, mais quand même souvent les filles n'y sont pas là. Les filles ne sont pas là, oui. Il faut bien le voir. Dans 15 ans, si on refaisait avec Vanessa une enquête sur les successions, les filles seraient là, très probablement, parce qu'on les voit, elles commencent à rentrer dans l'entreprise. Mais... Nos grands patrons de très grands groupes ont tous entre 70 et 80 ans. Donc, leurs enfants ont autour de 50 ans. Là, les filles ne sont pas là. Franchement, mais encore une fois, c'est une question de génération. Mais oui, après, ils ont l'idée de ce qu'ils veulent faire. Ils repèrent, soit ils ont une idée d'emblée, comme François Pinault, je vous l'ai dit, dès la naissance. Il a trois enfants. Dès la naissance, il en appelle un comme lui. Et il va veiller tout prénom, particulièrement... Le même prénom. Et il va veiller tout particulièrement à son éducation. Il va lui faire HEC. Il va le faire rentrer dans l'entreprise, ce qu'il ne fait pas pour les deux autres enfants. Ni pour sa fille, dont il dit d'ailleurs très simplement « Je n'ai même pas songé à elle », mais ni pour son fils. L'autre fils. Donc, il y a ce modèle-là. Et puis, il y a le modèle Bernard Arnault. Alors, lui, il a cinq enfants de deux mariages différents, ce qui complique souvent la donne, évidemment, dans une transmission. Il fait rentrer les cinq dans l'entreprise. Que le meilleur gagne. Et non. Il n'a pas encore choisi. Il n'a pas choisi. Il n'a pas encore choisi. Il les a formés tous de la même manière. Ils n'ont pas tous les mêmes diplômes, mais les diplômes... On y viendra sans doute après, mais ce n'est pas le plus important, évidemment, quand on est héritier. Mais en tout cas, ils sont tous dans l'entreprise. Et
Nous, déjà, de l'extérieur, je vois bien qu'il y en a deux qui sont déjà un peu out. Mais il y en a au moins trois entre lesquels ça peut se jouer. Et ce n'est pas encore décidé. Bernard Arnault se donne probablement, c'est bien pour ça qu'il a repoussé d'ailleurs l'âge de son départ possible, c'est à 80 ans. C'est l'homme le plus riche de France, ma parenthèse. C'est l'homme le plus riche de France, c'est un homme très puissant internationalement. C'est, LVMH, c'est évidemment un très grand groupe, hein, mondial. Mondial. Donc, bien sûr que choisir le bon héritier, le bon successeur, c'est déterminant. Pourquoi aucun de ses patrons, enfin très peu en tout cas, pourquoi aucun de ses patrons, puisque c'est une lutte de pouvoir et que la survie de l'entreprise l'emporte sur beaucoup de choses. On a vu Simone Gallimard qui dit à ses enfants, écoutez, faites ce que vous voulez, mais discutez et débrouillez-vous pour que Gallimard survive. Si c'était le souci des patrons, on peut décider d'avoir une personne extérieure à la famille et que chacun soit rétribué puisqu'il reste propriétaire ou copropriétaire, mais que pour préserver le nom, l'efficacité d'une boîte pour qui on a donné sa vie, on pense qu'il est meilleur pour la survie de l'entreprise et même des héritiers au bout du compte que ce soit confié à quelqu'un d'autre de la famille. Pourquoi ce lien absolu de la succession aux enfants ? Mais bien sûr, vous avez raison. Très souvent, prendre un bon PDG, vous en portez bien mieux. Les héritiers font ça. Hein. Oui. Les Bettencourt ont fait ça. Ah, oui. Et franchement, ils s'en portent très bien. Ils sont parmi les plus grosses fortunes du monde et la plus grosse fortune d'une femme au monde, Françoise Bettencourt. Et elle s'en porte très bien. Et effectivement, L'Oréal a toujours eu des PDG. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de narcissisme, il faut bien le dire. C'est quand même voir, encore une fois, la chair de sa chair, incarner ce que vous avez créé. Bernard Arnault ou François Pinault ou Jean-Claude Decaux n'imaginent pas quelqu'un d'autre que leur propre enfant. Ça peut parfois être catastrophique. Jean-Luc Lagardère n'a jamais voulu envisager un autre héritier que son propre fils, enfin un autre successeur que son propre fils. Il n'avait qu'un fils, lui, il n'a pas le choix. Hein. Il avait fait à dessein un fils unique, justement, pour que ça soit moins compliqué, pour lui transmettre vraiment directement le pouvoir. Il ne s'est pas jamais préoccupé des désirs réels d'Arnaud Lagardère. Il l'a fait rentrer dans le groupe dès le plus jeune âge, il l'a séparé de sa mère d'abord, à l'âge de 11 ans, et c'est ça la faille probablement psychologique de son héritier. Il l'a fait rentrer dans le groupe. Lorsqu'il est mort, Arnaud Lagardère était dans le groupe depuis déjà 20 ans. Il avait plus de 40 ans, on l'appelait encore Junior, et on a toujours continué à le penser Junior. Et lui-même n'a pas voulu renoncer à cette succession que lui avait imposée son père. Et là, je ne veux pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais on est obligé très souvent, c'est un peu Freud dans le capitalisme français, je dois dire, parce que c'est vrai qu'on est très souvent obligé de penser psychologie. Et chez Arnaud Lagardère, c'est bien ça. Il s'est conformé au désir de son père, mais au fond, il a démantelé tout ce qu'avait fait son père. Et il l'a fait... Vous pensez que c'est une volonté ? Écoutez, on a très longuement discuté avec lui. Ah oui. Je crois que ça sautait aux yeux. Ça sautait aux yeux. Il a trouvé cette succession, cet héritage, comme un fardeau. Et la façon dont il parle, dont il dit volontairement « je ne transmettrai pas à mes enfants », c'est que vraiment pour lui ça a été très douloureux, manifestement pas financièrement. Il a mené une vie de nabab, c'est un homme qui n'a jamais pris un avion de ligne, qui n'a pris que des avions de privé, qui a passé son enfance de palace en palace. Mais justement, il a été enseveli sous un déluge d'argent et ça a dénaturé toutes les relations qu'il a pu avoir ensuite avec tous ceux qui l'entouraient. Et manifestement, il en a souffert, et manifestement, il en a gardé un mauvais souvenir. Donc, c'est vrai que... Ça peut aller jusqu'à la destruction c'est ce qu'il a fait. Du donateur. Ce qu'il a fait. De son père. C'est ce qu'il a fait. Dès que son père est mort, il a d'abord vendu ce qui tenait le plus à cœur à son père, c'est-à-dire son haras de chevaux. Dans le patrimoine de l'entreprise, c'était rien. Mais c'était ce à quoi son père était attaché. Et ensuite, il a effectivement démantelé... Une à une. Une à le une. ADS, etc. Tous les éléments du groupe.
au détriment d'ailleurs de leurs employés souvent, hein. Mais en tout cas, c'est oui, tout à fait évident. C'est venger du père jusqu'au crime de la société qu'il avait oui. porté son nom. C'est vrai que Jean-Luc Lagardère aurait mieux fait de renoncer, mais là, chez Jean-Luc Lagardère, c'est vraiment... Il voit son fils comme un miroir. Hein. C'est un homme qui disait toujours, quand il avait un problème, il disait « Qu'est-ce que John Wayne aurait fait à ma place ?» C'est vous dire à quel point il se considérait comme un héros. Donc son fils ne pouvait pas l'être aussi. Donc son fils ne peut pas être à la hauteur. Ouais. Vous voyez, c'est impossible. C'est trop haut. Et ça, c'est un vrai problème, justement, pour ces patriarches, ne pas écraser le successeur. Lui mettre le pied à l'étrier sans l'écraser, lui donner le sentiment de sa fortune future et de sa puissance sans l'ensevelir sous l'argent, c'est compliqué à faire, beaucoup plus que ce que l'on imagine. Plus on est riche, plus c'est compliqué. Soyons pauvres, c'est ça? Mais en même temps, vous le verrez, en même temps, les problèmes qui se posent sont décuplés par la fortune, par les emplois en jeu, mais ce sont les mêmes que les nôtres. Ce sont les mêmes que les nôtres. À la base, au fond de moi. Mais oui, bien sûr. L'échelle est différente. L'échelle est différente. Mais les racines sont les mêmes. Ouais. Vous disiez, le problème important, c'est le pouvoir. Pardon, mais le pouvoir, c'est dur. On peut être étonné que dans une famille, puisque l'argent coule à flot pour tout le monde au moment de l'héritage, donc ils ont leur part exactement à égalité avec les autres. Dispensés du pouvoir, j'allais dire. Pourquoi l'image du pouvoir reste encore très forte chez des gens qui connaissent ce que c'est que le pouvoir, qui ont vu leur père passer des milliers d'heures à essayer de régler des conflits, alors que l'argent pourrait leur venir en leur laissant la liberté totale de leur vie. Est-ce que c'est un cadeau, finalement? Est-ce que tous ces héritiers considèrent que c'est un cadeau que d'avoir le pouvoir de gérer leur héritage qui est le même que celui de leur frère ou de sœur? Non, ce n'est pas comme ça que ça se pose. Parce que, évidemment, on a croisé dans ces familles un paquet de rentiers. Ah oui. Il y a des vrais rentiers, comme sous Balzac. Hein. Des gens qui n'ont jamais travaillé et qui touchent des dividendes chaque année, tranquillement, qui leur permettent de vivre très royalement. Dans la famille Hermès, tout le monde ne travaille pas dans le groupe. Il y a moins d'une dizaine de membres. Tous les autres vivent très royalement en étant rentiers. C'est ce que Bernard Arnault appelle la grande tribu des inutiles. Mais lorsqu'il dit la grande tribu des inutiles, il pointe aussi quelque chose. Car non seulement vous n'avez pas été choisi par votre père, c'est donc que vous êtes un peu moins bien que votre frère, quand même. Et puis justement, il faut se trouver une utilité. Ça paraît merveilleux comme ça pour chacun d'entre nous. Parfois, on en rêverait. On fait une fondation. De façon oisive et juste avec une extraordinaire fortune. Mais on n'a pas vu beaucoup de rentiers vraiment très heureux. À chaque fois, il faut qu'ils se trouvent une utilité sociale quand même. Un rôle. Et ça, c'est difficile. Et en fait, c'est beaucoup plus douloureux qu'on ne le pense. C'est plus confortable, indéniablement. Mais c'est parfois douloureux. C'est souvent douloureux. Mais à la fin de chacun des portraits que vous faites, il y en a quoi, une douzaine ? Une douzaine, oui. Une douzaine. On se dit, quand même, le nombre de morts, entre guillemets, pas simplement les morts qui ont perdu la vie, mais tous les morts d'être numéro 2 à vie, on ne se relève jamais. Vous dites qu'on ne se relève jamais de cette affaire. Les destructions sont terribles. Donc on se demande, je vous repose la question autrement, comment se fait-il que... Sachant tout ça, chacun connaissant la famille de l'autre, chacun est au courant de tout ce qui se passe ailleurs et des dizaines de drames qui ont été... Pourquoi ne choisissent pas une formule laissant à chacun la liberté de faire après ce qu'il veut, laissant à chacun les possibilités qui sont les siennes, au lieu de leur imposer la bagarre à mort et la tuerie entre ses propres enfants? C'est ça qu'ils choisissent. Oui, mais parce que... Quand ils mettent numéro 2, ils savent que c'est la lutte à mort pour toute la vie, entre les deux. Ce sont des capitaines, on l'a dit au départ. Ah oui. Ce sont des hommes qui ont l'habitude du pouvoir, de trancher, de décider. Ce sont des hommes de pouvoir. Ils décident pour les autres. Ils décident pour leur entreprise, ils décident pour leurs employés, ils décident pour leurs enfants. Donc, ce n'est pas,
c'est pas des petites natures, vous voyez, ouais. C'est des très fortes personnalités. C'est pour ça que c'est difficile aussi de leur succéder. Bernard Arnault, il a fait le choix d'essayer de faire que les 5 enfants survivent dans de bonnes conditions, on va dire, au fait que c'est la première fortune de France et bon, une des plus grandes fortunes d'Europe, etc. Est-ce que c'est un pari qui peut réussir, ça ? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un numéro 2 qui soit sacrifié, qu'il n'y ait pas un numéro 3, mais de trouver un équilibre. Ah, ça serait son idéal. Son idéal, ça serait qu'il y en ait un parmi les 5 qui dirige, oui. Mais que les 4 autres aient une indépendance, indépendance à la tête d'une filiale, comme aujourd'hui, à vrai dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, il les a placés, chacun à la tête, l'un de Berluti, l'autre de Louis Vuitton, l'autre des montres Tiger Heuer. Bon, donc, il les a placés. Alors, ils sont tous très encadrés par les hauts cadres du groupe. Mais évidemment, son idéal, ce serait celui-là. Bernard Arnault, à vrai dire, c'est celui qui m'a le plus intéressé, pas seulement parce qu'il est le plus puissant, mais parce que c'est celui qui s'occupe le plus de l'éducation de ses enfants. Parce que quand même, il faut bien le dire, les 3/4 de ses grands patrons ne regardent jamais les devoirs du petit dernier. Hein. Ils délèguent ça à leur épouse, au mieux à des tuteurs grassement payés, mais enfin, ils ne s'en occupent pas du tout. Lui, si. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce livre. Car j'enquêtais sur Karl Lagerfeld et j'étais allée voir Bernard Arnault, qui employait Karl Lagerfeld. Bernard Arnault avait accepté de me rencontrer, c'était il y a déjà 4 ou 5 ans. Et là, dans le bureau, il avait un très vaste bureau, qu'il a toujours d'ailleurs, au fond, dans le bureau, sur une petite table, il y avait son dernier fils qui faisait ses devoirs. Mais ce n'était pas un petit garçon, il avait 16 ans. Or, il faisait ses devoirs sous la férule de son père. Ça m'avait beaucoup frappée, évidemment. Et à ce moment-là, je l'avais interrogé Bernard Arnault là-dessus, bien sûr, et il m'avait dit qu'il faisait faire des maths à tous ses enfants. Il leur a fait faire des maths. À chaque fois. Il est polytechnicien, lui. Il est polytechnicien. Son rêve, c'était que ses enfants fassent polytechnique. Oui. Il en a un sur les 5 qui a fait polytechnique. Je peux vous dire qu'il les a fait cravacher. Et évidemment, cette éducation des héritiers, chez lui, c'est celui qui le pousse le plus loin possible. C'est scientifique, mais il ne leur fait pas faire que des maths. Il est aussi très soucieux, justement, de l'équilibre psychologique. Je vous l'ai dit d'emblée, il a des enfants de 2 mariages. Ça, c'est évidemment généralement le poison de la jalousie. Ça, c'est la folie. Oui. C'est très difficile. Parce qu'ils sont tous demi-frères. Voilà. Il a organisé l'entente entre les demi-frères et les demi-sœurs. Les 2 enfants aînés sont les parrains et marraines des 3 suivants. Il organise, mais vraiment, chaque mois, il organise des compétitions de tennis entre eux. Il organise des vacances, évidemment, communes. C'est vraiment pensé chez lui. Alors, je ne sais pas si, après sa mort ou sa disparition, les enfants vont s'écharper, mais en tout cas, il aura mis toutes les chances de son côté. C'est quand même tout ça la fin d'un système, on a l'impression. Quand on vous lit, on se dit, bon, il y en a un qui a 1400 héritiers, par exemple. Donc, voilà, 1400 héritiers. Le problème ne se pose même plus de savoir... Les muliers s'organisent. Ils sont 1400, effectivement. 1400 ? Mais oui, ils s'organisent parce que... Alors là, il y a des gens qui se contentent de prendre leurs dividendes, mais ils organisent entre eux, car c'est compliqué, 1400 héritiers. Oui. Vous pouvez vendre les actions. Oui. Alors là, justement, non. À qui et tout impossible ça. De vendre les actions. Il y a une bourse interne. Si vous avez besoin de vous acheter une maison, par exemple, choisissez parce un que des c'est héritiers. À ce niveau-là que ça se passe, eh bien, vous vendez vos actions à l'intérieur de la famille. De la même façon, il y a un statut spécial des conjoints. Car les conjoints aussi, c'est un problème. Et donc, il faut organiser les conjoints. Alors là, tous, ils ont organisé, hein, pas seulement les muliers. Bernard Arnault a fait une réglementation spéciale au sein de son groupe lorsqu'il a vu arriver Natalia Vodianovna, jeune fille russe très pauvre, épousant Antoine Arnault, puis Xavier Niel, le contraire, milliardaire, patron, épousant Delphine Arnault. Là, il s'est dit... Attention. Et donc, il a fait une clause spéciale sur les conjoints. Il faut bien voir que, évidemment, ces fortunes, encore une fois, elles dénaturent les relations. Vous n'êtes jamais tout à fait sûr que les gens vous aiment pour vous-même lorsque vous êtes si riche. Et pour le patriarche, c'est un sujet. Est-ce que mes enfants ont les bons amis et est-ce qu'ils ont les bons conjoints ? Est-ce que ces conjoints ne vont pas d'abord et avant toute chose profiter
de leur argent et prendre une partie de leur patrimoine au moment d'un divorce. Donc c'est complètement étudié, ça. Parce que la traîtrise est à tous les étages dans votre livre. Hein. Bien sûr. Il y a des gens qui revendent, qui passent des accords pour exister, puisqu'ils ont été écartés et qu'ils sont propriétaires du même c'est patrimoine. Une menace. C'est une menace. C'est ce qui a failli arriver au Hermès. Évidemment, Bernard Arnault, qui s'y connaît, je vous l'ai dit, en famille, qui a fait une partie d'ailleurs, qui a constitué une partie de son groupe grâce aux divisions d'autres familles qu'il a rachetées. C'est ça. Il a voulu racheter les Hermès et la première chose qu'il a regardée, c'est qui était le maillon faible dans la famille. Et il a repéré un cousin qui avait pris la tangente en Suisse, qu'on avait marre, qui voulait vivre sa vie. Et il lui a racheté ses actions. Et peu à peu, il a littéralement d'ailleurs espionné la famille Hermès pour savoir quels étaient les maillons faibles. C'est très déterminant, encore une fois, l'entente ou la mésentente dans une famille, ça peut avoir des conséquences industrielles graves. Ouais. Vous dites au tout début du livre, il y a 6000 entreprises familiales à peu près en France. La moitié seulement reste dans la famille. Tout le reste, c'est quand même réglé par impossibilité de succession, non-volonté, etc. C'est vrai. Mais en France, vous voyez que nos très grands groupes industriels sont souvent des groupes familiaux. Oui, c'est vrai. C'est aussi une particularité. Hein. Alors, un peu en Italie, mais c'est quand même une particularité française. Comment on éduque son enfant lorsqu'on a envie qu'il porte l'œuvre de sa propre vie, sans vous faire d'ombre, mais en gardant le prestige de l'œuvre qui a été la sienne ? Bah, ce qui ressort de toutes ces éducations qui vraiment nous ont passionnés, je dois dire, nous qui avons aussi des enfants, évidemment, on a regardé comment ils éduquaient leurs enfants. Il y a deux choses pour faire un bon successeur. C'est d'ailleurs la même chose que pour nous. Première chose, le rapport au travail. Si vous éduquez un enfant et vous ne lui apprenez pas à être... Si vous l'éduquez comme un héritier qui passe sa vie dans la jet set et à boire des coupes de champagne avec ses amis, c'est mortel. Donc il faut lui apprendre le travail, c'est le plus important. Arnaud Lagardère, par exemple, il peut être tout à fait charmant, mais il est assez paresseux. C'est bien le problème. Le père le savait, j'imagine, non ? Oui, mais il pensait que ça passerait quand même. Ouais. Donc... Ça, évidemment, le rapport au travail. La deuxième chose, le rapport à l'argent, qui va d'ailleurs de pair. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut être capable, vous ne vivez pas et vous ne vivrez pas la vie du commun des mortels, mais il faut être capable de savoir que l'argent n'est pas comme ça à fond perdu, n'est pas un don qui ne vient pas de nulle part. Vous devez avoir on ne fait pas ce qu'on en veut, en fait, même quand exactement. On est riche. Exactement. Hein, et ça, c'est très important. On le doit à quelqu'un qui a travaillé avant soi, c'est ça ? Arnaud, par exemple, qui, encore une fois, est celui qui éduque le plus scientifiquement ses enfants, il a toujours distribué l'argent de poche, alors que, bon, il est vraiment milliardaire, multimilliardaire. Il distribuait l'argent de poche en fonction des notes. Un truc classique, à vrai dire, dans les familles, mais vous voyez, il faut que tu aies 5 20 sur 20 pour avoir de l'argent de poche. Donc... C'était pas justement... Les fils Bolloré n'ont pas été éduqués comme ça, par exemple. Les fils Bolloré ont passé toute leur jeunesse, comme Vincent Bolloré lui-même, d'ailleurs, c'est-à-dire une vie de jeune de la jet set, facile. Mais ils ont quand même été mis au travail. Il y a une rigueur demandée aux enfants. Pourquoi ? Pour le prestige de la famille. Un enfant ne peut pas apparaître comme étant... Parce que c'est compliqué. Vous imposez vos héritiers à vos cadres. Ah oui. Il faut bien voir que dans une entreprise, vous avez des hauts cadres qui sont généralement très compétents. Et là, vous leur imposez un jeune homme de 25 ans qui va arriver, qui ne connaît rien à rien. Oui. Et d'ailleurs, il y a un des cadres qui raconte comment c'est compliqué pour eux d'être tuteur de l'héritier. Et c'est ce qu'ils font pourtant. Il y en a un qui dit, voilà, on organise... L'héritier a le nom de directeur général. En vérité, c'est moi qui suis le directeur général. Et on organise pour lui, c'est comme la chasse du dauphin sous l'Ancien Régime. Il y a les piqueux à droite et à gauche. On rabat le sanglier vers lui et c'est lui qui pose avec la proie. C'est donc, c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup de ces groupes. Donc, c'est vrai que imposer votre héritier au haut cadre, il faut aux dirigeants, il faut lui donner quand même un peu de légitimité. Et donc, sinon,
Sinon, il ne sera jamais respecté et jamais obéi. Mais c'est bizarre, vous avez utilisé le mot, mais en lisant le livre, on se dit tout ça, c'est l'Ancien Régime quand même, au bout du compte. Oui. Hein? Mais oui, puisque ça peut pas tenir c'est dynastique. Plus, mais... bah, si, vous, ça vous peut donnez, tenir. Vous donnez des années encore à tout ça. Ça peut tenir. Les Hermès tiennent depuis plusieurs générations, oui. Les Mulliez aussi. Oui. Donc ça tient dans certains le groupes. Le système peut tenir. C'est pas un système qui. C'est un système qui peut. Pour qu'il se maintienne, il faut que de temps en temps, il puisse faire un pas de côté. Les Hermès, par exemple, lorsque l'héritier justement de la famille n'était pas prêt, pendant quelques années, ils ont pris un directeur d'extérieur. Donc il faut que vous soyez capable de faire ça, sinon effectivement, c'est difficile. Ils sont maintenant en concurrence avec des gens qui sont riches à 27 ans ou 26 ans. Oui. Ça leur fait quel effet de voir ça ? Parce que d'un coup, ils sont. Des gens ont fait la fortune qu'ils ont accumulée en un siècle et demi. Il faut un an et demi, un génie comme Musk ou d'autres, qui font la même fortune qu'eux. Oui, et ils se retrouvent d'ailleurs dans les ventes d'art, ils se retrouvent dans, dans tout ce genre de système. Ils regardent aussi ces nouvelles fortunes, notamment de la high-tech, avec beaucoup d'intérêt, parce que. Peut-être que vous avez entendu, mais en Californie, il y a eu une vogue à un moment donné. Tous ces géants de la high-tech prônaient d'être contre l'héritage. Oui, hein? Donc, en disant, ça dénature tout, ça tue l'esprit d'entreprise, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs. Et puis, on en entend quand même de moins en moins être contre l'héritage. C'est vrai. Au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Ça se transmet par contre. Donc ça, évidemment, c'est observé avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que tout le monde s'épie de famille en famille ? Est-ce qu'ils se connaissent ? Oui. Est-ce qu'on dit, mais comment a fait un tel et comment va faire l'autre ? Est-ce qu'ils passent leur temps à se regarder les uns les autres ? Ils se regardent les uns les autres. Ils ne se fréquentent pas forcément, fréquentent mais pas, ils sont dans les mêmes endroits. D'ailleurs, ça nous a frappé, franchement, de... parce qu'on se disait très souvent, mais si nous, on avait cette fortune, on ne vivrait pas tous au même endroit. Ils vivent tous, enfin, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, Villa Montmorency, qui est une espèce de résidence privée, si vous voulez, dans le 16e arrondissement, ils sont plusieurs à vivre là. Ils vont tous, ou beaucoup d'entre eux, en vacances à Saint-Tropez. Franchement, l'imagination n'est pas au pouvoir. Je veux dire, ils sont tous dans les mêmes endroits. Donc, leurs enfants, surtout, sont dans les mêmes écoles. C'est surtout oui, ça. Vraiment, il y a... Deux, trois écoles privées. Hein. C'est Franklin, Stanislas, mais tous les enfants sont dans les mêmes écoles. Donc, parfois, il y a des mariages entre eux. Hein. Une nièce de Martin Bouygues a épousé un fils Bolloré. Donc, c'est assez rare. mais c'est vrai que s'ils ne se fréquentent pas, parce que souvent, ils sont en compétition aussi, en tout cas, ils s'observent et ils se côtoient. Je reviens à la manière dont je vous ai présenté. Vous connaissez tous les politiques depuis 20 ans, depuis leur naissance, et vous savez exactement tout ce qu'ils ont fait. Vous avez vu maintenant quelques grands destins. Là, vous connaissez les grands capitaines d'industrie en France ou du commerce. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé après que vous ayez vu tous ces gens-là dans votre regard sur le pays tel qu'il marche ou pas ? Et est-ce que vous comprenez pourquoi il y a une perte de confiance générale envers tous les décideurs. Est-ce que vous avez senti quelque chose après ces 20 ans, 25 ans que vous voyez tous les décideurs ? Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a cette défiance qui s'installe entre les gens qui décident et les gens qui n'ont pas le pouvoir de décider, autrement que par le vote lorsqu'ils sont convoqués à des élections ? Est-ce qu'il y a une responsabilité de ces gens-là dans ce qui se passe ? Forcément, hein. Dans une démocratie, les élites ont une part de responsabilité. Ce qui m'a frappée, à vrai dire, c'est plutôt une forme de, sinon de mépris, ou en tout cas d'indifférence de ces grands capitaines d'industrie à l'égard de la politique. Ils s'en fichent, ils font sans elle. C'est ça qui est frappant. Alors bien sûr que tous connaissent ou se mesurent au président de la République. Ça, oui. Éventuellement au ministre de l'économie. Parce qu'on va faire de lobbying sur les droits de succession, sur la peau des sociétés. Bon. Mais à part ça, il y a une forme d'indifférence, oui, de négligence à l'égard du politique, comme si ça n'avait plus d'importance. Donc ça, je dois dire que moi, j'ai trouvé ça frappant.
choquant même. Le pouvoir a changé hein, de... Le pouvoir a vraiment changé. De lieu. Donc de lieu, oui, c'est clair. Après, parfois, ils ont le souci de faire quelque chose pour le bien commun, mais c'est à plus petite échelle malgré leur fortune. Aucun n'a un engagement citoyen. Si. Si. Si, les Bettencourt, par exemple, financent une grande partie de la recherche médicale, ce n'est pas négligeable. Ah. Plusieurs de ces grands groupes ont des écoles, hein, souvent des écoles de la deuxième chance, par exemple, pour ceux qui n'ont pas pu aller jusqu'au bac, qui sont rattrapés. Donc tout ça, c'est très bien et très louable. C'est très bien, on ne va pas les critiquer là-dessus, mais c'est de tout petit niveau. C'est, tout petit niveau. C'est sans commune mesure avec ce que doivent faire les dirigeants politiques d'un pays, où évidemment, vous devez faire quelque chose pour tout le pays tout entier. Et là, ils en sont très loin. Hein. Et ils sont très loin, non seulement de le faire, bon, ça, c'est pas forcément leur rôle premier, mais ils sont très loin d'y songer et de s'en préoccuper. Aucun ça, c'est plus embêtant. Aucun de ces enfants riches, vous avez cité les endroits où ils étudient, donc ils ont, certains d'entre eux, en tout cas, ceux qui en sont capables intellectuellement, ont les meilleurs diplômes du pays possible. Aucun n'envisage une carrière politique pour... aucun d'entre eux n'est intéressé par autre chose que... la société dont les parents étaient propriétaires. Bah, d'abord, ils peuvent faire de la politique indirectement. Vincent Bolloré fait de la politique. Oui, mais hein, il n'est pas candidat, news, c'est ce avec... que je veux dire. Il n'est pas candidat. Non, bah, ils savent très bien ils que savent c'est... Très bien que c'est... Mais c'est beaucoup plus dur de faire de la politique. C'est beaucoup plus difficile. D'abord, vous êtes très souvent impopulaire. Ce que, à vrai dire, à part Bernard Arnault ou Vincent Bolloré, qui sont connus, mais les autres... Vous voyez, le dirigeant d'Hermès, vous ne le connaissez pas, Axel Dumas. Moi, je l'ai rencontré dans la rue, personne ne sait qui il est. Donc, il n'a Mulliez, pas le... il va au café, Mulliez, personne ne le reconnaît. Personne ne les connaît, enfin, sauf évidemment au cœur de Roubaix, oui. mais vraiment, personne ne les connaît. Donc, ils ont une vie sans justement le risque de l'impopularité et de ses effets physiques, durs, affectifs. Ils n'ont pas... ils n'ont pas le couperet de l'élection pour avoir suivi eh oui. la politique comme vous, Philippe. On le sait bien, être battu électoralement, c'est... Alors, ça arrive tout le temps dans une vie politique, forcément. Ça arrive tout le temps et c'est terrible. Et c'est terrible pour ceux qui sont battus. Eux, ça ne leur arrive pas, ils ne prennent pas ce risque. Et c'est très difficile, évidemment, de diriger un grand groupe. Je ne vais pas vous dire que c'est rien du tout. Mais je pense que c'est moins dur oui. que la politique. Moins fragile, en tout cas. Oui, c'est moins fragile. Vous êtes, c'est moins ingrat, en fait. Ce n'est pas que c'est moins dur, c'est que c'est moins ingrat. Et puis, on est reconnu quand même au niveau de, voilà, du capital dont on dispose. On a une sécurité absolue, alors que l'élu, le jour où il perd son mandat, parfois c'est dur. Une question personnelle, juste parce qu'on voit tout ce que vous avez fait dans votre vie. Et là, on parle de l'envie de vivre. Vous l'avez montré à plusieurs reprises. Vous avez connu différentes périodes, comme tout le monde dans sa vie, et vous êtes accroché. Quand à un moment, vous avez dit, je vais faire une école. Vous avez refait une école il y a quelques années pour écrire des scénarios de films. Donc il y a chez vous quand même cet acharnement quelque part à garder votre propre liberté de décider ce que vous allez faire ou pas. Où vous allez chercher ça après tant d'années d'enquête sur les uns les autres? Bah justement, moi, j'ai la chance que parfois, ces héritiers n'ont pas, c'est-à-dire de faire ce que j'aime. Ce que vous avez, ce que vous aimez, voilà. Ça n'a pas été imposé, ça ne m'a pas été imposé. Donc ça, c'est une chance inouïe de pouvoir se lever chaque matin en étant heureux de ce qu'on fait. Donc évidemment, c'est une pulsion formidable et positive. Et c'est ça, la vie, l'envie de vivre, bien sûr. Ça ne m'a pas été imposé, même si je suis journaliste parce que ma mère désirait l'être. Alors il y a un petit héritage. Là, elle m'a transmis son envie. Elle m'a pas imposé oui. un rêve qu'elle n'avait pas réalisé, mais elle m'a transmis son désir. Ben, vous êtes une digne héritière. Hein. Non, c'est vrai. On peut pas être mieux. Ça, c'est une succession réussie, par contre. Oui, je ne lui ai pas succédé. J'ai accompli son rêve. Eh, c'est encore mieux. Et la prochaine étape, c'est quoi? Quand on a vu tous les politiques du pays, quand on a vu quelques grandes figures qui vous disaient quelque chose à titre personnel par leur rayonnement qu'ils avaient eu, vous aviez envie de fouiller des vies. Là, vous avez passé au scanner
Hein, tous les capitaines d'industrie, vous avez découvert des choses. Franchement, c'est incroyable de lire ce livre. Franchement, ces 12 portraits, on se dit, effectivement, on se dit à un moment, mais c'est un monde qu'on n'a pas envie d'intégrer. Non. Hein non. Souvent, des lecteurs nous disent à la fin, finalement, je suis assez content de ne pas avoir cette fortune. Mais on n'est pas content d'être fils de ces gens-là ou fille de ces gens-là. On les envie pas. Voilà, c'est ça que je veux non, dire. Non, on ne les envie pas. Voilà. Il y a aucun mais moment. Chacun d'entre nous peut connaître aussi des. Bien sûr, mais il y a aucun moment où on a envie d'appartenir à ces groupes-là, en vous lisant, en tout cas. Et on a l'impression que peu de gens sont heureux dans cette affaire. Certains sont heureux quand même. Ouais. Les Hermès, je pense, sont assez heureux. Ouais. Et vous, quelles sont votre prochaine direction, vos prochaines directions ? Bah, d'abord, je continue mon bien journal sûr. Que j'aime, oui, bien sûr. Qui est important. Non, je parle des livres, des livres, des ouvrages. Alors, je suis en train plutôt de réaliser. Enfin, j'écris. Une série qui va être réalisée à partir d'un livre que j'avais écrit justement sur Karl Lagerfeld. Oui. Donc une histoire européenne d'un homme qui a menti toute sa vie, qui s'est caché sous les masques de la mode, ces masques même un peu grotesques. Hein, vous voyez tous l'image qu'il avait à la bien fin. Sûr, c'était... Mais c'est un homme évidemment intéressant, né en 1933 au cœur de l'Allemagne, hein, qui a vécu Hitler, son enfance sous le nazisme, dont son père était un collaborateur qui fournissait la Wehrmacht, qui a fait tout son possible pour faire oublier ce passé et pour devenir la figure, en tout cas célèbre qu'il est devenu, sans avoir le génie d'ailleurs. Et donc voilà, c'est ça, raconter cette histoire. Je suis en train de... On termine le scénario. Donc vous scénarisez... Le scénario, voilà, et ça va être tourné à partir de mars prochain. Ça s'appellera Lagerfeld ou le... Ça s'appellera Kaiser Karl. Le nom du livre. Le nom du livre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci vraiment, beaucoup. C'était, on découvre des choses. Hein.